Le CNN arrive. Le Corbeau Noir, quoi? Si vous avez des informations, n'hésitez pas à me contacter. Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller. À l'ouest de l'Europe, frère. C'est notre continent. J'ai pas dit l'Europe de l'ouest, j'ai dit à l'ouest de l'Europe. Les mecs, concentrez-vous un peu. Enfin bref. Du coup mercredi, je vais même peut-être avant, je vais voir si jamais je peux partir mardi, comme ça au moins je suis bien, je me remets dans les nouvelles conditions, c'est un nouvel arc qui démarre. Voilà, c'est un nouvel arc qui démarre, le nouvel arc JL Tommy. Je serai quand même prise mais tout hein. Je serai quand même prise mais tout, c'est juste que je serai plus à la villa. Et là en vrai ça me donne la dalle pour commencer à faire des projets là que j'avais pas trop le temps de faire. Mais que là maintenant vu que je vais être livré à moi-même entre guillemets hein, que là je vais pouvoir m'amuser un petit peu. Définitivement, ouais je pense, genre j'habiterai plus là-bas quoi. Mais j'ai vraiment envie de faire plein de trucs là. Juste Rambat, genre il m'énerve. Srambad il m'énerve parce que sa tête je peux plus le matin et tout. Il est là avec ses petits cheveux. Ça me casse les couilles frère, il a 19 ans, il est beau gosse et tout, ça m'énerve. Ça m'énerve. Avec Srambad un jour on s'est embrouillé tu vois, parce qu'en gros, un matin je me suis levé et il y avait du yop fraise dans le frigo tu vois. Il y avait du yop fraise dans le frigo et j'avais mis une étiquette, j'avais mis pour Thomas tu vois. Et en gros, Sram, il me lève le matin et je vois il est en train de boire mon yop. Je lui dis, mais tu fais quoi? C'est mon yop! Il me dit, non, c'est mon yop! Je lui dis, mais attends, mais t'es complètement taré, tu veux on se batte et tout? Et il me regarde comme ça, il avait la bouteille dans les mains, il m'a regardé dans les yeux, il a rebu une gorgée. Du coup, là, c'est parti en couille, tu vois. C'est parti en couille, j'ai attrapé un couteau, frère. Bref, y'a pas d'embrouille, les mecs, vous inquiétez pas. Juste là, il est un peu balafré, c'est pas, il stream pas. Il peut pas stream parce qu'il est complètement balafré, mais c'est bon, ça va aller. Je suis en train de réfléchir à ça, voir comment on pourrait le faire et tout pour l'améliorer. Mais je pense que ça pourrait être marrant. Au moins chaque semaine, l'invité, il va se dire quoi? Il va se dire là, moi je suis pas à la JL House parce que j'ai pas envie de faire les mêmes erreurs que la JL House à Nantes, tu vois. La JL House à Nantes, tout le monde faisait rien parce que il savait que j'arrivais un petit peu à porter un petit peu le projet sur mes épaules, tu vois. Donc du coup les gens ils faisaient rien. Vas-y carré, voilà, bienvenue Nathéos. Les gens ils faisaient rien, tu vois. Donc du coup là, c'est une façon de faire. Hop, là on fait des trucs. Et on l'appelle, la série, au lieu de Jobless, Job Life. Parce que des charbonneurs chez nous, frérot. On est des jobless, on n'a pas de travail, mais on est des charbonneurs. Ok, attends, est-ce qu'il n'y a pas la Mini Cooper, elle est ouverte là? Parce que celle-là, c'est ça y est, les voitures de trentenaire là. La voiture de Noé Mousse, c'est bon. Ok, parfait. C'est bon. La flemme, frère. Noé Mousse, elle a ça comme voiture IRL, hein. Elle met ses 4 gosses à l'arrière et ils vont faire des courses. Ils vont à Leader Price. Attends. Voilà, parfait. Vous faites penser à quelqu'un? Bon. Ouais. Oh, faut éviter de me dire le truc, la série, je sais pas quoi, là. On me l'a dit je sais pas combien de fois, c'est bon. Vous l'avez pas regardé, cette série? C'est quoi la série en fait? Je la connais pas. C'est je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est avec Yannis Abdouben là. Vous l'avez pas vu? Non, je connais pas. Allez-y, jurez la vie de votre mère, vous l'avez pas vu? Allez, jurez. Ouais, je vous jure, je l'ai jamais vu. Jurez la vie de votre mère, vous avez jamais regardé? La vie de ma mère, j'ai jamais regardé. Votre mère? La vie de ma mère. Ok, bon. Ok, c'est bon. Ouais, il fait un écho, je pense qu'il a vos smithers, je pense. Quoi? À ce point-là, je fais penser à la. Vous avez la même coupe de cheveux, la même couleur de la coupe de cheveux, la même barbe. Ouais, c'est chaud quand même. Ouais. T'as pas trop... Putain, mais t'as aucune dégaine, sérieux, frère. On va à Inalim, comment ça? Pourquoi t'es habillé comme moi? Attends, sors de la voiture? Non, j'ai pris ta veste, je dis la vérité, elle était bien. T'as mis un col roulé? Par Allah, écoute-moi, je vais me changer. Non, je te connais, je vais me changer. Je vais me changer, supprime, je rends les habits à la client.
Je rends les habits à la. Non, mais c'est. Caissière. Oh, mais je t'en veux pas, Valentino. Non, mais non, mais je te connais, toi. Eh, hey, depuis quand tu jures par Allah, toi? On est des musulmans, nous, on est pas des musulmans, frère. J'ai pas dit ça. Où est-ce que t'as vu ça? T'as dit par Allah. T'allais dire par qui? Non, parce que j'avais dit t'es paranormal, gros. Ah, ok. Attention. Bim, coup de portière. Oh, Ok, c'est bon, ça va mieux. Ok. Non, parce que t'avais tapé un poteau, du coup j'avais mal. Attends, mais t'as serré ton slip ou quoi? Non, mais je te jure, j'ai eu un trou noir et après je voyais tout trouble. Ah, mais tout à l'heure le mec il m'a dit la même chose. Ouais, que ça tapait le poteau. Eh, je suis à la place du mort, oublie pas, hein. T'es à quoi? Je suis à la place du mort. Ça veut dire? C'est côté passager, c'est la place du mort. Pourquoi? C'est Zama. Zamanito. C'est Zamanito. Là où tu as le plus de chances de mourir quand t'es côté passager. Ok. Je monte plus devant. Je monte devant, Sramgood. T'as croisé des gens un peu, toi? Ouais, j'ai fait. Hier, grosse course hier. Il y a une grosse course hier ou avant-hier qui s'est organisée. Ouais. Son. C'est pas là-bas le mécano? C'est là-bas le mécano. Ils sont deux. De quoi? Y'a deux mécanos, c'est grand. Ça va? Tout là, c'est de ma faute. Ok. Toi aussi, t'as eu le. Ouais, j'ai été rapta. Ok. Attends. Ok. Sur moi, non. C'est un peu compliqué. Je vois l'argent de la banque. Ah, ça va être compliqué. Mais attendez, on peut faire une photo ensemble? Si vous voulez, oui. Ouais. Mais vous avez joué dans une série, non? Vous êtes un acteur? Non. Ah ouais? Pourquoi? Mais vous me faites penser à quelqu'un? Qui? Un acteur dans une série, là, de criminels, là. Ah ouais? Non, pas toi? Avec la chemise rose et tout, même! Il a même une chemise rose et un pantalon comme ça! Moi, je regarde pas Thierry, me demande pas à moi, gros. Ok. Texas World Ranger Rangers. Ouais, je crois que c'est dans. Ouais, je crois c'est Texas Walker Rangers. Walker Texas Rangers. Ah, mais tu parlais ça vraiment? Non. Zamanito, tu te foutais de ma gueule. Le constat là. Ouais. S'il vous plaît. On fait ça comment? Écoutez, déjà c'est. Par contre, t'as 3 jours pour me rembourser. Hein. Je veux 5 000 $. Ok. 5 000? Ouais. Non mais ça va être pas possible, je suis désolé. Eh ben ça va pas être possible, on va te péter les deux jambes, Paco. Non mais ça vaut pas 5 000 € une réparation comme ça. Mais attends, mais tu sais c'est quoi comme voiture ça? Bah ouais, mais je suis mécano, donc je sais très bien de quoi je parle. Eh ben répare là. Non mais je suis pas... Non mais je suis pas... dans cette ville. Non, ça c'est un modèle d'exposition, édition limitée d'une Gotelette 2008. Frérot, tout qui est personnalisé. Tu me dis que ça coûte pas 5 000 $ ça, un truc comme ça? Cette voiture elle coûte 50 000 $, ça, le fils de pute! Putain, mais. Remanque de respect à ma voiture, tu vas voir, j'ai même pas fait exprès de le taper. Oh là, j'ai pas fait exprès de le taper. Ok, c'est bon. Mais dans le feu de l'action, C'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. T'as une semaine. Non, 3 jours, je t'ai dit. 3 jours. Hein, on se casse. C'est une gauntlet. Bravado, gauntlet. Je vais te fumer à la course, hein. Mais oui. Je mets la facette, j'ai la gueule. Ta mère, je la baisse sans cagoule. Valentino. Aïe aïe, arrête. Ah, j'ai rigolé. Arrête tes conneries, t'es pas un freestyler. C'est bon, pardon. Imagine, y a un mec qui passe, il me voit comme ça. Oh là, au moment où j'ai dit ça, y'a un mec qui est passé. Tiens, tu fais frotter, frère, on fait une pub pour fixation gel béton, quoi. Nique t'es mort. Ha ha ha.
train de me taper tout seul. Et voilà au moment où j'ai dit, imagine il y a un mec qui passe derrière comme ça, mais voilà, il y avait vraiment un mec qui était là. C'était qui Harris? C'était chaud pour prendre des sous, on met notre vie en danger. Quoi? On fait des accidents et on fait des constats. Oh merde. T'as dit quoi? Tu veux quoi? Le CNN arrive. Le Corbeau Noir quoi? Si vous avez des informations, n'hésitez pas à me contacter. C'est quoi le CNN? Regardez les annonces. C'est quoi le CNN? C'est le Corbeau Noir? Non, c'est quoi ça, Corbeau Noir? J'ai pensé à ça, mais t'inquiète. C'est le truc de la série télé là. Ah ouais! Kyrios, qu'est-ce que t'es en train de faire encore? Il était invisible, il tirait des roquettes. C'est lui, je crois. J'ai dit que t'es le patron, et nous on croit pas trop. À la chicha sous ballon, tu te parles, t'as des mythos. Tu racontes que des pipos.